Niger, du matériel militaire et des instructeurs russes sont arrivés à Niamey. Le Mali et le Burkina Faso ont également renforcé leur partenariat militaire avec la Russie, au détriment de leurs partenaires traditionnels. Mercredi 10 avril, Moscou a livré une importante cargaison de matériel militaire destiné à renforcer la défense aérienne du Niger. Pour mettre en place ce système anti-aérien garantissant un contrôle total de l'espace aérien nigérien, la Russie a envoyé environ une. Centaines d'instructeurs chargés de former les militaires locaux, nous sommes ici pour former l'armée nigérienne en utilisant les équipements militaires russes. Il s'agit de matériel destiné à différentes spécialités militaires. Notre présence ici vise à développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger, a expliqué un instructeur russe à la télévision nationale nigérienne. Cette collaboration renforcée a été discutée lors d'un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et le général Abdourahman Tiani le 26 mars dernier. Elle intervient à un moment où les relations du Niger avec Paris et Washington se sont fortement détériorées, notamment après le coup d'État du 26 juillet, qui a conduit à la rupture des accords militaires avec la France et au départ des soldats français du pays.